Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de réaliser une lampe ou un luminaire, ça c'est à votre convenance en fonction de la taille. Je vais vous montrer un peu sur quoi on va partir. Je vais prendre ici une image. Voilà, je vais, vous inquiétez pas, je vais diminuer un peu la dimension. Hop, où est-elle? Voilà, elle est là. Et on va encore diminuer. Voilà. Et donc normalement, elle doit voilà, se retrouver ici. On va partir sur ce genre de modèle. Donc vous voyez, donc il va y avoir une base. La partie haute, c'est plutôt pour le maintien des lamelles. Parce que ça pourrait fonctionner, mais à ce moment-là, les lamelles peuvent partir dans tous les sens. Là, ça vous permet d'avoir vraiment un beau cylindre. On va avoir ici une encoche qui va faire plus ou moins 1 cm. Donc une encoche qui va être dans le cercle ici d'1 cm. Et donc forcément une encoche pour l'emboîtement ici d'1 cm aussi. Pour essayer que notre forme, vous voyez, que ça arrive sur le bord, comme ça on n'aura pas le cercle qui va dépasser. Ben, on va commencer. Donc on va déjà commencer. Je vais commencer par mettre une dimension pour la dimension de ma plaque qui va faire 1200 par 600. Voilà. Et donc comme ça je vais. Voilà, j'ai comme ça j'ai ma dimension de ma plaque. Ça vous permettra aussi de disposer tous vos éléments pour voir si sur une plaque, par exemple, tout peut passer. Après, pour l'export, il n'y a pas besoin d'avoir tous les éléments, puisque dans le logiciel laser, il y a moyen, par exemple, de dupliquer. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on fait 20 lamelles, ici, on peut tester de mettre les 20 lamelles, mais pour le fichier qu'on va importer dans la machine, dans le laser, il y a une option qui permet de dupliquer. Donc, ça veut dire que vous aurez besoin que des cercles et d'une lamelle. Et la lamelle, bah, ce que vous ferez, dites, j'en veux 20. Et là, comme ça, vous aurez en même temps le bon espacement. Tout sera mis dessus, mais vous pouvez aussi tout préparer. Ça, c'est pas gênant. Alors, on va commencer. Alors, on va faire une lampe qui va faire plus ou moins 20 cm de diamètre. On va partir sur une petite douille. Alors, les petites douilles, c'est la douille E14. Il faut savoir que son diamètre, pour pouvoir passer dans la planche pour le fixer, pour que ça tienne, il faut 27,5 mm. C'est des petites choses. Il faut mesurer. Il faut avoir un petit pied à coulisse pour prendre vos mesures. Quelquefois, quand vous achetez la douille, c'est indiqué l'emballage. Vous avez le diamètre, donc comme ça, vous savez le trou qu'il faut faire. Alors, dans un premier temps, bah, ce que je vais faire, je vais déjà faire un cercle qui va être mon cercle extérieur. Voilà. En fait, c'est lui sur lequel on va mettre nos emboîtements. Donc, je vais mettre ici 200 puisque j'étais trop petit. Donc, j'ai mon cercle. Donc, ça, c'est déjà une chose. Un cercle. J'en fais qu'un pour l'instant parce qu'après je vais le dupliquer pour faire la deuxième partie. Donc j'ai mon cercle et ce que je vais faire un petit rectangle qui va servir pour l'emboîtement. Alors l'emboîtement, je vais prendre un simple carré et je vais tirer. Alors là c'est beaucoup trop gros, vous inquiétez pas. Je vais retirer le cadenas parce qu'autrement tout va être redimensionné. J'ai dit qu'il fallait que ça fasse 1 cm. Donc je vais mettre ici en hauteur, ben, je vais mettre 10 mm. Et la largeur, moi je travaille et beaucoup avec des planches de 4 mm en bouleau et je sais que il faut pour compenser le jeu de perte et pour que mes lamelles s'emboîtent dessus, on va dire à force que je n'ai pas besoin de colle et que ça tienne, ben je vais mettre 3,7. Donc ça veut dire que, vous voyez c'est petit, c'est normal, mais ça veut dire que 3,7, j'aurai 3,7 de chaque côté avec la perte du laser quand ça va s'emboîter, donc vraiment s'emboîter comme ça. Il faut que ça soit à serrage. Voilà, on va éviter de mettre la colle au maximum. Je vais garder ce petit élément-là sur le côté. Ça peut toujours servir si jamais on doit refaire autre chose. Comme ça, je sais que j'ai mes dimensions. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais en faire deux. Donc, je vais en recoller un ici. Pourquoi? Parce que je vais ici prendre mon cercle, sélectionner le premier rectangle, aller sur Aligner et distribuer. Donc, si vous ne l'avez pas ici à droite, vous allez sur Objet, Aligner et distribuer. Voilà, je le centre par rapport au centre, donc en axe vertical. Et là, je vais utiliser l'option aligner les bords supérieurs. Comme ça, il va se coller sur le bord supérieur. Je vais faire la même chose avec le second. J'aligne sur l'axe vertical, mais maintenant, je prends le bord inférieur. Première chose. Je vais tout de suite enregistrer. Comme ça, fichier, enregistrer. Je vais mettre ici et je vais mettre lampe, par exemple. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est enregistré. Comme ça, quand on peut faire une opération, on fait l'opération, on enregistre. Si le programme le plante, ça nous évite simplement de tout recommencer à zéro. Je vais sélectionner mes deux rectangles et je vais faire l'option CTRL-K. CTRL-K, c'est
quand vous venez ici, vous avez, en fait, c'est combiné, c'est pas regroupé, c'est combiné. Il y a une différence, c'est que combiné, c'est comme s'il reconnaissait plus qu'une pièce, alors que regroupé, c'est il regroupe les pièces, mais toutes les pièces sont encore indépendantes. Donc là, je prends ma pièce et voilà, donc je le sépare, il est sur le côté, ça c'est bon. Alors, maintenant, il faut définir le nombre des lettres qu'on va utiliser sur notre lampe. Je vais charger une calculatrice pour vous montrer. Voilà. Alors, on sait qu'un cercle, c'est 360 degrés. Et je vais mettre, par exemple, on va mettre 18 ailettes. Voilà, 18 ailettes. Ça nous donne un angle, ici, de 20 degrés. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une ailette va pivoter, ça va être de 20 degrés à chaque fois. Donc, ça, c'est le petit calcul. Il y a toujours un petit calcul mathématique à faire, mais bon, c'est pas un gros calcul, hein. Mais il vaut mieux ça que d'y aller au pif, parce que vous n'allez jamais tomber correctement par rapport au nombre des lettres. Donc, on sait que c'est 20 degrés. Donc, j'ai besoin de cette forme-ci et j'ai besoin de pivoter. Alors, on ne va pas le pivoter à la souris. C'est un peu. Il y a moyen, mais bon, vous allez galérer. Ce qu'on va faire, on va aller dans Objet et là, vous avez Transformer. Voilà. Et là, on a du déplacement, de la dimension et de la rotation. Donc, j'ai dit que c'était. Donc, j'en veux 18. Donc, il faut 20. Donc, c'est 20 degrés. Donc, ici, je vais mettre 20 déjà. Pour l'instant, j'appuie sur rien parce que de toute façon, en plus, ici, vous voyez que le bouton est grisé. Je vais prendre ma pièce ici et je vais faire CTRL D pour dupliquer. Et je vais appliquer. Et je vais recommencer. Vous voyez, là, c'est toujours le dernier qui est sélectionné. Donc, je fais CTRL D, appliquer, 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 CTRL D, appliquer. Et là, je m'arrête puisque voilà, j'ai mon nombre complet d'emboîtement. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout resélectionner et je vais faire un CTRL K. Comme ça ne me fait plus qu'une pièce. Je sélectionne mon premier cercle, je sélectionne tous mes emboîtements, je centre vertical et horizontal. Et maintenant, je vais faire un CTRL moins. Et voilà. Comme par magie, j'ai directement mon cercle avec mes emboîtements. Alors, comme je vous disais, ça ne sert à rien de commencer à faire tous vos cercles. Parce que là, maintenant, voilà, j'ai déjà un cercle. Et vous voyez, je vais même le mettre sur le côté, comme ça. Je vais faire un CTRL C, CTRL V. Je vais en prendre un. Et encore un deuxième CTRL V. Parce que maintenant, en fait, j'en ai besoin de deux. J'en ai un qui va avoir besoin de ma douille et un avec l'extérieur. Alors, si je veux que mes ailettes ici, qu'on ne voit pas mon cercle, il ne faut pas que ce soit trop grand. Donc, comme j'ai fait 1 cm, je vais prendre 1 cm ici aussi. Donc, ça va rentrer de 1 cm ici. Donc, ça veut dire qu'il faut 2 cm en moins. J'avais 200, donc ça va faire 160. Parce que 2 cm en moins partout à l'intérieur. Donc, je vais reprendre. Là, je vais faire un cercle ici. Donc, alors, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, ici, c'est facile, on sait que c'est 160, mais je pourrais dire c'est 200 moins 40. Alors 40 parce qu'on demande 2 cm partout. Si on regarde la pièce gauche-droite, il faut bien 40, autrement ça va être décalé. Donc ici, je peux faire 200. Je vais quand même cliquer sur le cadenas. 200 moins 40. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on peut faire des calculs. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez simplement, ah, il me manque 2 cm, vous rajoutez plus 20 et voilà, et ça se fait automatiquement. Donc là maintenant, ce que je vais faire ma pièce ici, je prends celle-ci et je centre tout. Voilà, donc là j'ai déjà mon anneau central, je vais prendre l'ensemble, je vais faire un CTRL K et voilà, là j'ai mon anneau qui va être l'anneau extérieur de maintien des lattes. Toujours bien s'assurer que ce diamètre-ci soit assez grand, donc le diamètre de votre luminaire doit être assez grand par rapport à l'ampoule que vous allez mettre. Si vous prenez une ampoule classique, là il n'y a pas de souci. Maintenant il y a des ampoules un peu plus esthétiques qui sont beaucoup plus grosses, assurez-vous avant de faire votre dessin, prenez les mesures de l'ampoule que vous voulez et adaptez votre dessin en fonction. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire maintenant mon passage de douille. Donc là aussi, la douille, mesurez bien parce que ça peut être un gros problème. Donc là, je sais que la E14 c'est 27,5. Voilà. Et donc je vais prendre ici mon grand et mon petit, je centre partout, un petit CTRL K, et là j'ai déjà ma base et la partie supérieure ou inférieure. Ça, comme je dis, ça dépend si c'est une lampe de chevet ou un luminaire. Et maintenant, on va faire aussi les languettes. Alors, comme vous avez vu sur l'image, on va faire des languettes toutes simples dans un premier temps.
On va faire, je vais prendre d'abord un carré. On va prendre un carré comme ça, par exemple. Comme ça, ça vous donne une base. On va prendre alors, la base, on peut dire par exemple que on imagine, je veux que ça fasse, on imagine 30 cm de haut. Donc on va dire 30 cm sur, donc ça doit faire au moins 2 cm. Donc je sais que j'ai une largeur qui va faire 20. Donc ça c'est déjà une chose. On peut arrondir ici. Alors, pour arrondir plusieurs manières, soit on rajoute un cercle, ça c'est réalisable, ou alors, et je vais vous montrer les deux étapes, je vais prendre un cercle, je sais que c'est 20, donc je vais prendre un cercle qui va faire également 20. Et ici, je vais zoomer un peu, comme ça vous allez voir, hop, je vais prendre ma pièce, je vais la mettre ici, donc je vais essayer de la centrer au maximum. Voilà, donc là j'ai mes deux pièces et je vais faire un sélectionner la première, sélectionner la deuxième et faire un contrôle plus. Et comme ça, j'ai déjà une forme qui est déjà créée ici. On pourrait, en mode nœud, quand on vient ici, on peut venir et également venir modifier comme ceci. C'est moins précis, mais ça vous permet, si vous avez envie de faire des formes un peu, une forme un peu bizarre, oui, bah voilà, vous voyez ce que je veux faire, je veux faire justement une forme. Voilà. On va faire une forme comme ça, qui peut servir de pied. Voilà, comme ça, on va avoir un petit décalage, on va le laisser. Et là, en fait, j'ai une hauteur. En fait, bon, le problème de la hauteur ici, je n'ai que 23. Alors, 23, je peux éventuellement étirer. Voilà, ça c'est. On va faire ça. Il faut couper le cadenas parce que si j'agrandis, il ne faut pas qu'il aille en largeur. Donc, je vais mettre 30, comme j'avais dit au départ. 300. Parce que 30, c'est 30 mm. Donc, on va mettre 300 mm pour. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai. Si je dézoome, j'ai une lamelle. Alors, maintenant, il faut définir. Cette partie-ci ne doit pas être trop basse. Alors, c'est bien parce que comme j'ai un pied ici, alors, comment mesurer le pied? Parce que ici, on pourrait dire, oui, mais là, j'ai un pied, mais je ne sais pas la hauteur. Ici, j'ai le petit outil règle. Je vais venir ici. On peut le mettre avec contrôle, comme ça, je suis bien droit. Je me mets ici pour voir à peu près. C'est toujours de l'à peu près, comme on dit, mais ici, donc, j'ai 36 mm. C'est assez parce que la douille va être en dessous, je crois que c'est plus ou moins 15 avec le fil, donc c'est largement assez. Je vais revenir en mode ici. Donc ce que je dois faire maintenant, je dois mettre des encoches. Alors vous voyez, comme j'avais gardé mon encoche ici, je vais la prendre, CTRL-C, CTRL-V, et je vais tout simplement la pivoter. Donc là ici, avec l'option ici, alors oui, j'aurais pu utiliser par exemple rotation, faire 45, 90 degrés, voilà la rotation qu'on veut. Ça peut être pratique si jamais vous voulez faire des encoches ailleurs dans un autre angle. Mais ici, pour faire des angles incrémentés directement, je vais cliquer ici, je vais le pivoter. Voilà. Donc là, j'ai déjà ici mon emboîtement qui a la même dimension qu'ici. Donc ça veut dire que ça va coller, que ça va rentrer dedans. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V parce que j'en ai besoin d'un deuxième. Voilà. Voilà, donc il faut maintenant mettre simplement nos encoches aux bons endroits sur notre objet. Donc on peut faire des estimations. Ça après, il faudra bien sûr tester les endroits. Alors là, je vais zoomer un petit peu. Je vais simplement faire comme pour le cercle. Je vais reprendre ma forme. Je vais prendre ici mon objet. Et là, je vais utiliser ici l'option qui est ici, l'aligner sur le bord gauche. Là, je suis aligné sur le bord gauche. Je vais faire la même chose avec celui-ci, aligné sur le bord gauche. Alors, on pourrait aussi faire le fameux CTRL-K pour avoir les deux d'un coup, mais on peut faire aussi, si vous avez oublié, vous prenez l'élément, vous prenez l'emboîtement et vous faites CTRL-. Voilà, il va emboîter. Je prends la même chose ici, CTRL, donc mon objet, majuscule, CTRL-. Et voilà. Et donc là, j'ai mon objet. Donc là, si on veut vérifier plus ou moins, si, donc ça veut dire que quand l'emboîtement va arriver. Donc là, je n'ai pas d'angle. Donc si je veux vérifier si ça va aller vraiment à l'embout, je pivote comme ceci. Je viens ici, vous voyez que là, en utilisant les angles, je sais que quand je vais arriver au bout, voilà, la forme ne va pas dépasser ici. Donc ça peut être un truc en plus esthétique. Donc ça, c'est à toujours vérifier, à contrôler. Pour le principe de l'emboîtement, je vous conseille de faire deux petites formes avec simplement une encoche. Quand je vous parle de petites formes, c'est de faire, je vais remettre celle-ci dans le bon sens. Quand je vous dis de tester, c'est de vous faire un petit carré,
Ouais, vous reprenez un petit carré. Quand je dis petit carré, ouais, ça peut faire, on imagine même, allez, 3 cm sur 3 cm par exemple. Vous prenez votre embout ici, vous le mettez ici pour que ce soit centré en bas par exemple. Contrôle-moi. Vous faites le découpage à la laser et comme ça vous validez en même temps si ici c'est correct. C'est le conseil à faire en premier. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais testé le laser, si vous utilisez un bois que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, avant de commencer à dessiner, bah, faites d'abord ce petit test-là. Parce que si vous devez tout redessiner, bon, vous voyez, ça, pour une forme qui est entre guillemets assez simple, ça peut aller. Mais quand vous allez commencer à faire des trucs un peu plus design ou un truc comme ça, il va falloir passer un temps fou. Ou alors, le conseil que je peux vous donner, c'est ici, je vais faire revenir en arrière, comme ça je vais, voilà, je prends ma forme, je reviens ici, et en fait ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, vous pouvez prendre cette forme-ci, CTRL-C, CTRL-V, venir la mettre ici, faire vos cercles également, donc avoir des formes sans emboîtement, et comme ça, comme vous avez votre emboîtement qui est là, bah, si il faut remodifier, vous modifiez l'emboîtement qui est ici, et voilà, et là, à ce moment-là, vous venez recoller vos différents emboîtements aux bons endroits. Donc là maintenant je vais reprendre contrôle moi, voilà. Donc là maintenant si je regarde ici, donc ça peut être tous les éléments qu'on peut garder sur le côté, hein, ça c'est pas gênant. Et alors il me faut donc 18 baguettes. Donc je vais compter en même temps pour faire contrôle D, donc 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, puisque j'en ai déjà une. Non, de toute façon, on va voir. Je vais en tirer une ici. Et là, je vais sélectionner le tout et je vais prendre, distribuer par rapport au milieu. Voilà. Donc là, j'ai mes formes. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit. Vous voyez, donc là, j'ai bien mes 18 formes. Ça rentre à l'aise sur ce genre de planche. On pourrait encore gagner au niveau de la prise sur la planche, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement faire ceci. Alors je vais prendre ça, je vais CTRL-C, CTRL-V et je vais complètement le pivoter. Et à ce moment-là, je peux encore venir, donc je vais hop, avec les flèches, venir leur disposer. Il faut quand même que l'espace qui soit ici, si vous ne voulez pas avoir de traces de chevauchement ou quoi que ce soit, il faut quand même un minimum. Donc là, je vais dire, là, moi, je mettrai, allez, l'équivalent de 2 mm, un truc comme ça. À mon avis, j'ai un peu plus. Si je prends la latte et que je mesure entre le point ici et là, hop, j'ai 6 mm. Bon, ça, on va dire que c'est bon. Mais après, ce que je peux faire, c'est refaire un contrôle K. Donc là, j'en ai deux. Bah, comme j'avais 18, bah, il m'en faut 9. Donc, je vais faire 8 pour faire le dupliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en prendre un, et là normalement bah, on va gagner encore au niveau. Voilà, je pourrais encore les rapprocher. Donc, si je prends par exemple celui-ci, que je le mets vraiment ici et que je resélectionne le tout, je refais distribuer. Vous voyez, ça voilà, je recolle. Et donc, il y a vraiment moyen de faire en replaçant correctement sur la planche. Bah, là, je vais dire, là, je peux faire quasiment deux luminaires identiques sur cette planche-là pour un petit luminaire, parce que c'est ça. Là, c'est plutôt une lampe de chevet. Si maintenant vous voulez faire un luminaire pour votre salon, ce sera plus grand. Donc, en fonction des formes, essayez d'imbriquer vos formes pour qu'après, au laser, ça passe. Mais comme je l'ai dit, au laser, à la rigueur, si vous voulez vraiment faire cette partie-ci, au niveau du fichier, moi, je n'ai besoin éventuellement que de ça. Parce que là, au moins, ça, je peux considérer que ça comme une pièce. Là, j'ai une pièce, là, j'ai une pièce. Et en fait, ce que je vais faire, donc là, je vais faire un contrôle S pour sauvegarder. Et je vais faire fichier. Enregistrer sous, je vais faire un PDF. Voilà, j'enregistre. Donc on va mettre lampe.pdf. Donc vous voyez, j'avais bien les éléments qui sont ici. Maintenant, si je viens ouvrir ici mon lampe.pdf, et voilà, je n'ai bien que ça. Et donc comme ça, au niveau du travail, ben voilà, après, c'est à bien connaître le nombre à faire au niveau du logiciel. Rien ne vous empêche de le faire à l'avance, mais avec ça, au niveau du logiciel pour le traitement laser, on n'a besoin que de ça et après on fait simplement dupliquer cette partie-ci. Voilà, donc c'est vraiment
cette partie-ci qui est vraiment, vous voyez, c'est assez rapide de faire ce genre de luminaire. Maintenant, c'est un luminaire très simple avec un simple emboîtement. Donc voilà, il faut pas. Si maintenant on peut commencer à aller dans des extrêmes, mais là ça vous permet déjà de sortir un luminaire, je veux dire, fait en quelques. Allez, on va dire en une petite heure, vous avez dessiné. Après, c'est le travail à tester. Je vous dis, n'hésitez pas à tester au maximum pour les emboîtements, pour voir la perte de matière. Après, alors il y a plusieurs étapes, on peut faire de l'inclinaison dans vos lamelles. Ici, pour l'embout, pour la douille, bah, bien prendre les bonnes mesures, parce que si vous faites un trou trop grand, bah, ça, ou alors vous mettez une douille plus grosse, ou alors ce sera trop petit et là vous ne savez plus le rentrer, donc il faudra recouper. Donc autant essayer d'éviter le maximum de manipulations sur la pièce, comme poncer ou des trucs comme ça. Poncer, il faudra quand même poncer parce que vous aurez des traces au niveau brûlure du laser, mais je veux dire, autant limiter au maximum des retouches sur le produit. Ben voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai des petites extensions qui peuvent être utiles justement pour faire, par exemple, tous les emboîtements. Vous avez vu que là, on a fait une manipulation avec le CTRL D, CTRL K, CTRL moins pour retirer. Il y a des extensions qui existent pour faire carrément le nombre et pas besoin, même pas besoin de calculer l'angle parce que c'est lui qui va calculer. Il y a plein d'extensions, mais ça, ce sera vraiment le but de certaines vidéos, mais qui seront beaucoup plus courtes. Parce que ce sera vraiment expliquer l'extension. Je ne vais même pas expliquer comment l'installer parce que ça a été déjà vu. Mais vraiment comment on l'utilise, comme la fameuse extension générateur de boîte à encoche, par exemple, que j'ai déjà discuté dans une vidéo précédente. Voilà, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à tester, partager. C'est vraiment le but ici. On est vraiment dans le do it yourself. Donc apprenez. Et partagez vos connaissances. À plus, ciao!